Benji, t'es là? Bah, qu'est-ce qu'il a acheté? C'est quoi de ça? Oh, c'est énorme ce truc! Oh! Des manettes! Ça s'allume où ça encore? Oh là là là! Il n'y a pas d'autre chose à acheter avec son argent lui, hein? Oh, il y a un truc au-dessus! Oh là! Ça s'allume! Ça marche pas ce truc, c'est tout nous. Ça marche pas. Bizarre, bizarre. Mais c'est quoi ce bordel? Benji! Benji? Benji? Oh, Benji? Greg? Oh, mais enfin! Qu'est-ce que tu fous là? Bon, comme tu voulais plus faire de Game Rider, j'ai pris les choses en main. Hein? Regarde au-dessus de la balustrade, tu vas avoir une petite surprise dans le couloir du bas. Mais de quoi tu causes? T'as ramené la borne ici? Mais c'est une blague? Eh, c'est pas fini, viens t'asseoir, je t'explique. Pourquoi t'as ramené ça ici? Tu vois, tu m'as abandonné, tu voulais plus faire de Game Rider. Bah, tu sais très bien que les Game Rider ça ne marche pas. Personne ne regarde, en plus c'est un travail monstre à faire. Ben, j'ai pris en otage Mathilde dans la borne. T'as embarqué Mathilde dans le jeu vidéo? Eh oui, maintenant t'as plus le choix de me rejoindre si tu veux pas finir ta vie célibataire. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais sur Badou. Tu vas quand même pas croire que je vais rester célibataire longtemps. Quoi? Eh, attends. On a aussi le chien. Non, ok. T'as gagné, on va faire ton Game Rider. Mais après, tu libères mon chien. Vendu, Mais va falloir que tu me suives dans la borne pour ça. Faut que j'aille dans la borne? Et comment je fais pour en ressortir? T'inquiète, tu pourras ressortir après chaque épisode. Ok, je te suis. Allez, c'est parti. Générique. J'ai changé de fringue? Eh oui, contre, les jeux virtuels. Le chapeau sur la tête, oui, c'est pas terrible. On a encore une petite mise à jour à faire. Sinon, comment tu trouves le décor? Ah, c'est plutôt pas mal. Oh, il y a même des pas, la vidéo est lancée. Ok. Salut à tous, c'est Manji et bienvenue pour ce 5ème épisode de Game Rider. Je suis en compagnie de Greg. Salut. Et vous savez, quand on parle de jeux d'aventure, je pense tout de suite à Zelda. Super! Non, pas celui-là. Attends, tu ne vas pas faire un Game Rider dessus? Si, bien sûr, mais... À part dire que c'est Zelda One Top Gamelon sorti en 1994 par le studio Animation Magique, j'ai plus trop grand chose à rajouter, tout le monde le connaît. Bah, tu peux dire à tout le monde à quel point il est pourri ce jeu. Bah, pas tant que ça, tu sais, j'ai beaucoup parcouru l'aventure, et malgré ses défauts, le jeu reste tout de même plaisant à parcourir. On a envie de découvrir de nouveaux lieux, voir de nouvelles cinématiques qui sont certes très moches, mais aussi très marrantes. Et puis, les graphismes sont pas si moches que ça, on croirait un peu du dessin. Et même si le jeu se déroule en scrolling plateforme 2D, on peut se promener un peu partout sur la carte, on peut même aller dans des boutiques. On rencontre aussi beaucoup de personnages qui nous donnent des items. Bon, au début on sait pas trop à quoi ça sert, hein, mais on finit toujours par le découvrir. Et au final, bon, il s'avère plutôt utile. Ouais, enfin, t'oublies les ennemis qui spawnent tout le temps et puis ton personnage qui met 3 plombs à parer. Eh bien justement, j'étais voir mon vendeur à Rotel pour remédier à ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben... Mais pourtant, je l'ai déjà dit 20 000 fois! T'attaques, tu bloques! Tu attaques pour bloquer plus vite? Bah, c'est complètement illogique et débile! Ouais, je sais, mais bon, force est de constater que ça marche. Et puis le jeu est enfin jouable, enfin, à peu près. En plus, au début du jeu, on peut ramasser l'épée de légende qui envoie des projectiles quand notre barre de santé est pleine. Bon, elle reste jamais pleine très longtemps, mais tout de même, on a l'impression de jouer à Doom, regarde. Il manque plus que la musique. Ce jeu n'est pas si horrible que ça non plus. Bon, il a été fait un peu à la bavite, mais les créateurs n'ont pas eu beaucoup de temps pour les sortir. Je crois qu'ils avaient un an pour sortir 2 Zelda sur la machine. D'ailleurs, la même année, ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Mutant Rampage Body Slam. Et là, tu vois clairement que les cinématiques ont été vachement mieux travaillées. Ouais! Des boobs, des boobs!
Sinon, pour en revenir au jeu, il s'agit d'un beat'em all plutôt classique. Je peux pas vous en dire plus, hein, je n'y ai jamais joué. Bon, pour conclure sur Zelda Wand of Gavlon, ce qui rend le jeu si pourri pour moi, bah, c'est qu'il s'appelle Zelda. Et tu viens de conclure l'épisode. C'est vrai? Bah, parce que je le dis. Tu vas pouvoir revoir mon chien? Ouais. Chouette. Allez, salut! Salut. Espèce de... Greg! T'avais dit que c'était le chien que tu me rendais.